Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Timberborn. Dans cet épisode, et ce qui sonnera très probablement le dernier épisode, je pense. Ah, ça commence à s'assécher un peu, il va falloir que je réouvre un peu de vanne, excusez-moi. Hop. Laissez-moi réinjecter un peu d'eau d'abord. Je réinjecte un peu d'eau. Voilà. Voilà, hop, on remet à 2,5, c'est bon. Ça tiendra le temps que ça tiendra. C'est des arbres. C'est un peu moins fragile que le reste. Voilà, alors dans cet épisode, premièrement, les merveilles. Comme vous pouvez voir, le moral monte d'un coup. On a assemblé cette merveille, donc j'ai redémoli pour reconstruire hein, une passerelle un peu plus basse, histoire qu'elle soit dans l'eau quand on est au maximum, tout du moins. Voilà, donc ça y est. Là on est remonté, je suppose qu'on est à deux points quelque chose, voilà. Voilà, ça tourne à nouveau, c'est formidable. Alors je dis le dernier épisode, mais non, parce qu'en fait on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. Je suis bête, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. Donc non, pas du tout le dernier épisode. Donc voilà, je viens de construire le brasier de liage aussi. Alors, je l'ai posé, ils l'ont construit en direct, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Je suis en train de construire, en train de me dire, dans l'avenir peut-être que... Sauf que maintenant on a du bois, on dégueule en planche, c'est un enfer, on est blindé de ressources. C'est trop beau, il nous reste plus qu'à réussir à vaincre le maléfice de... Oui, les gens sont heureux, oui, je crois que les gens sont contents. Mais nous n'avons plus, voilà, nous n'avons plus de ferraille. Bon, déjà, on peut peut-être se lancer à la conquête de la ferraille. Finalement. Qu'est-ce que c'est de la ferraille? C'est un peu haut. C'est un peu haut pour rien, voilà, juste ça ici. On va très bien la faire, on va jusque là. On va tout dynamitas, ça va très bien se passer. On va l'aplanir à la fin. Je construis vraiment juste des plateformes pour les démolir en gros. Tac, voilà, ils vont nous faire ça bien. Ce sont des génies. Laissez les gens faire quoi. Laissez les gens qui connaissent leur métier faire leur travail, s'il vous plaît. Ils ont pas l'air plus pressés que ça. Par contre ils m'ont rush les statues. Voilà, et j'ai mis bien sûr la dernière ici là, juste à côté des champs. Je trouvais que ça faisait mignon. J'ai donc pété une pompe parce que les pompes actuellement sont plus embêtantes qu'elles ne sont utiles. Donc je les ai pétées. Ici donc on retient l'eau polluée à cet endroit là. On adore. D'ailleurs est-ce qu'on devrait pas se faire un petit plombage ici pour le fun? Moi, j'ai ce qu'il faut, on va plomber. Je sais pas si c'est utile, je sais pas si c'est vital, mais je vais plomber quand même. Pour le plaisir du plombage. D'ailleurs, je peux pas plomber dessous. Je vais plomber dessous pour le plaisir d'offrir. Voilà, parce que je peux plomber en dessous, donc je vais pas me gêner. Je vais plomber. Et je vais faire la même ici, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir atteindre. Ils peuvent l'atteindre? Ah oui, tant que c'est en dessous, c'est vrai qu'ils peuvent. Ok, bon, bah, impeccable, on va attendre en dessous. Parfait. Voilà. Mon plombage est magnifique. Qu'est-ce qu'on se souhaite d'autre? J'étais en train de me dire, ouais, on va peut-être pouvoir envahir tout ça d'eau véritable. Ce qui veut dire que ce projet va finir par devenir très probable. Mais qu'en attendant, oui, tant que j'ai pas de l'acier, on va quand même. Tant que j'ai pas sorti, je suis pas allé là, récupérer de la ferraille, commencer à faire des vrais trucs. On va pas pousser la chance jusqu'au. La malchance. Donc on est bien, l'eau ça repart, les arbres sont verts. Ici ça va pas tarder à se remplir, je pense. Look. Ouais, ça va pas tarder. Ça pompe gentiment, ça va remonter à son niveau normal. Là où nous avons encore du travail, eh ben c'est de dynamiter tout ça. Et de faire couler l'eau. C'est d'abreuver les terres intérieures à partir d'ici. Et donc, je pense... oui, ils vont juste faire des trucs ici, ok, c'est pas utile. Bon, ils vont juste se divertir à cet endroit-là, ça n'a aucun intérêt. Voilà, condamnez-moi tout ça. Quoi que peut-être pas là.
Quoique si on a des arbres. Si c'est intéressant. Ouais mais c'est intéressant par là aussi. Je pense plus comme ça, ouais. Voilà. Hop, on va se remettre une route ici. Du coup, ici, on a la place pour un petit stockage ou un arbre, au choix. Je crois qu'on est à côté de la ferme, là. Ou alors, vraiment une plante nulle. Genre, vraiment, le... Attendez, ah oui, les journées tournent. Excusez-moi, hein. D'abord, je nous mets une petite plante nulle. Petit tournesol. Bien sûr, le classico, hein, le petit tournesol. De la dine, de la namite, de la dynamite, la dynamite. En profondeur de une. Voilà, voilà. Allez, garçon, faut tout faire sauter. On fait tout sauter jusqu'au temple. Let's go. Jusqu'au temple. Hein. Voilà, ça va aller vite. Hein. Ils ont de la dynamite, ça va bien se passer. Hein. Vous inquiétez pas. C'est un peu éloigné du district. C'est un détail technique. Ah oui, ils ont bossé. On sent qu'il n'y a plus que ça comme travail. Hein. Voilà. J'ai mis en pause avant de faire sauter, avant que je me fasse sauter un castor. Hop. Ah, il veut pas mettre plus. Voilà. Ok. Voilà. Voilà qui est pas mal. Pétez-moi tout ça. Hop. Ici ça vient comme ça. Excellent. Et donc l'idée c'était de faire sauter ce petit castor pour avoir les os de la vie. Donc je vais me faire sauter ce petit castor et je vais me faire les os de la vie. Et je vais me faire un mini bassin à cet endroit là je pense. Genre trou le moins de 2. Ah même quoi, tu sais quoi, même mieux. Fais-moi un trou de 3 ici. Et alors bon, je vais laisser terminer quand même les passerelles en bois. Avant de dynamiter la dernière route qui passe dans le coin. Peut-être, peut-être s'éviter de se mettre vraiment dans l'assaut jusqu'au bout. Tac. Oula, j'ai cru qu'il y en avait un qui allait se faire sauter dessus. Voilà. Voilà, là on a de l'eau. Et le petit bout de route. Celui-là, il est assez prioritaire quand même. Bon, franchement, pour 4 bouts de route, ils y arriveront le lendemain. On a tout ce qu'il faut en ressources. Hein, c'est un vrai régal. C'est un vrai bonheur. Donc là, là-dessous, il y a de l'eau. Hein. C'est bien clair. Là, il y a de l'eau. Là, c'est... Là, c'est cool. Hein. Hop, mon petit bout de TNT. Boum, excellent. What? Je vais peut-être être un peu énervé. va avoir des petits problèmes. Qu'est-ce que c'est finalement un problème d'avoir trop d'eau? Finalement, est-ce qu'on peut me le dire? Ouais. Et là, il va me falloir de la TNT de 2. Là, il va me falloir de la TNT de 2. Ah oui, c'est peut-être le dernier truc que j'aurais dû faire sauter, ça. Parce qu'il va peut-être falloir que je m'assure... Oh... Ça sent la bavure. Bavure policière. Ça va. Ça se noie, mais ça va. Ok. Donc, à partir de là, il me... toujours pas Knarfang. On va y arriver un jour, je te jure. Je te jure, mon Knarfang, tu vas y arriver, mon grand. Alors... Bon, ceci dit, mon projet de temple castor, je le remets. Hein. Voilà, mon mini temple castor, il est incroyable. Je pourrais ventrer cette rue-là, oui, mais alors du coup, c'est plus l'urgence. Hein. L'urgence, c'est vraiment d'aller à un endroit où on peut aller vider notre sac, j'ai envie de dire. Donc, allons vider notre sac en détruisant
toute cette route là. Oui, ils feront le tour. Hein. Hein. Ils feront ça super bien. Voilà. Et ici jusqu'à la... Putain, ouais, il va falloir y songer, mais le plus important, c'est d'aller là-bas. Dynamitons pas tout ça tout de suite. Posons d'abord nos TNT. Parce qu'on va même pas pouvoir forcément tout péter d'un coup. Hein, faut y aller. Alors. Ah oui! Tout le quartier est quasiment accessible que par une... Non, mais non, le quartier est accessible par là. Qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, parce que le centre du district n'est plus accessible. Non! Non, non, vous me faites une blague! Non, 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 faites pas ça, les gars. Arrête. Calmez-vous. Calmez-vous. Me faites pas une mauvaise blague. Voilà, oh là, là, vous pouvez accéder au district. Vous pouvez accéder au district. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ouah, les fous! Ils avaient coulé la connie juste parce que j'ai pété une route ici. Oh, les monstres! Techniquement, je pourrais jamais péter cette route. Très étrange, ça. Le concept. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que je bouge la capitale du district temporairement. Ouais, ça peut se faire aussi. Oh, comment on a les deux pieds dans l'eau. Quel régal, hein. Vraiment, on est en train d'alimenter par ici, quoi. Pompez toute l'eau qu'il y a, hein. Allez-y, pompez, hein. Pompez-le, hein. Faut pomper, hein. Je prends les îles, boys. Ça se fait. Hop. Allez, faut me construire ça. On se dépêche, on se dépêche. Et donc là, je vais être embêté si je décide de le faire sauter. Centre du district. Hein? Je peux pas? Je peux pas le déplacer? Ah, mais on veut pas ça. On veut garder le même district. Ah, je crois qu'il faut le faire sauter et repop. Waouh, c'est une drôle de cabriole, hein, mon ami. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire du coup sauter le terrain. Sauter la route ici. On va dynamiter ça d'abord. Bon, on va essayer de faire en sorte que l'opération soit le moins douloureux possible. Oh là, le bord de mer est si loin. Le bord de mer est si loin. On peut déjà pré-shot. Hein. Pas pré-shot, excusez-moi. On peut déjà... Ou alors on peut passer par là. Bon, boum boum, cette côte. Il ne sera donc plus jamais infecté au passage. Donc là, je pourrais vraiment tirer jusqu'au bout. Et tirer vraiment jusque sur le rebord mes arbres au passage. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Du coup, je récupère de l'espace. Ah oui, ça veut dire pareil, tout là aussi, je peux le récupérer. Hein. Il n'y a qu'à partir d'ici ou... Non, non, il faut que ça reste blindé. Mais tout ça, boum, 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 je pouvais pouvoir récupérer cet espace. Intéressant. Oui, on va emmener l'évacuation d'eau jusque là. Non, on va aller tout droit. Allez. Ok. Hop. Voilà, comme ça, ça met de l'eau dedans. Hop. Voilà, ça déborde un peu moins. C'est un peu plus sympa déjà. Tac. On finira vraiment par la dernière case à faire sauter. Non, il faut que je supprime. Suppression, la suppression, la suppression. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut pas tout faire directement? Là, si, je crois qu'on peut faire toute la ligne droite. Ah!
Allons jusqu'ici. Parce que là, faut vraiment juste sélectionner la route. Enlever la route. Ah oui, mais il va falloir que je fasse sauter ça de toute façon. Alors, allons-y. Pause, vite fait. Faut pas qu'on perde trop de temps non plus. Ah, merde. J'ai effacé... J'ai effacé du champ. D'ailleurs, toi, on n'a plus besoin de toi, hein, jamais. Hein. Tu sers plus à rien. Ce bout de route, il dégage. Tout ça, ça va devenir... Ah merde, je me suis planté. Enfin, flûte, je voulais dire, je me suis planté. Tout ça, ça devient des champs de tournesol. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a plus besoin de science. La science, on en produit largement assez à un seul endroit. Ok. Oh, ça déborde en continu. Ça n'en peut plus. On va se lancer du coup, hop. Construction en parallèle. Allez, on se motive. On se motive, on se motive. Ici, il manque de la TNT. Non, pas toi, la route. Voilà. Sautez-moi toute cette route-là, là. Et posez-moi de la dynamite ici. Hop. Hop, 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 hop. Ouais, faut se dépêcher, les boys. Hein. Faut se dépêcher. Hein. Faut bosser, faut bosser. Vite, faut charbonner. Hein. Plus vite, plus vite, plus vite. C'est pas assez vite. Pas ça. Plus vite. Plus vite. 48 de bonheur. Le bonheur ne cesse d'augmenter alors que je suis en train de dynamiter les routes. Plus rien ne va. Vite. Toujours plus vite. Alors que je rajoute quelques heures de boulot après ça. Hein. Faut que ce projet arrive à son terme le plus rapidement possible. On est inondé, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Donc, le projet à terme, vite, 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 quoi. La toiture. Le truc de toiture. Le truc de toiture. Le truc de toiture. Le toiture à truc. Truc à toiture. Il est où ? Là. Là. Allez, let's go les gars, faut pousser, faut se donner, faut se la coller. Hein. Idéalement, il aurait fallu que je tire jusqu'ici aussi. Bon, on tirera aussi, mais après. D'abord, on raccorde, raccordons à la mer. En parlant de raccorder à la mer, parce que là, faut que vous me construisiez ça, ça laisse un peu de marge. Ça laisse le temps de venir dynamiter ici. Qui dit dynamite ici? Vraiment juste sur la pointe. Moi je me fais un gros trou de 2. Et après je mets du 1. Non, faut que je... Ouais, faut que je mette du 2 deux fois là. Faut que ce soit deux fois du 2. Ah, je suis en train de me demander. Je suis en train de me demander ce que je suis en train de me dire si je veux tirer de l'eau ailleurs. Est-ce que vraiment un jour je tirerai de l'eau ailleurs, je suis pas sûr. Sinon, au lieu de tout détruire, exceptionnellement, on a de la terre, je crois, si c'est par là, ouais. Exceptionnellement, j'ai envie de dire, construisons, finalement. Voilà. Hop. Avec un petit excédent de matière première, ça nous ira bien. Ça se construit ça? J'arrive même pas à voir si ça se construit ou pas. Non, ça c'est en chantier. Hein. Allez les gars, hein, faut me construire ce truc là. Hein. Faut arrêter. Hein. Je sais pas ce que vous foutez là.
Ok, vous avez plus accès à grand chose, d'accord, mais dites-moi que vous bossez encore, hein, parce que sinon. Sinon, mettez-moi les pompes à l'arrêt. On va arrêter l'inondation, quoi. Si l'inondation vous empêche de vivre. Que je vois pas pourquoi. Très honnêtement. Elle m'a l'air du plus bel effet, cette inondation. On a tout ce qu'il faut en plus, non? On a encore 55 dynamites, franchement, on peut tout faire. Hein. Voilà, arrêtez de râler, bossez là un peu. Insupportable. Bon, peut-être que... Peut-être que c'était un peu trop. Ok. C'est des planches. Mais en planche, on est full, je crois. On va pas tarder à être full. Les mecs qui récupèrent, là. Récupérer. Ok. D'ailleurs, on peut se placer tout de suite une dynamite ici. On va attendre qu'ils nous finissent ça quand même. Ils avaient de la ressource là, ils en ont plus, c'est quoi? C'est parce qu'ils acceptent plus aucun entrepôt? Ça me paraît bizarre. Normalement tous les entrepôts ils sont là, donc même s'ils peuvent pas accéder à la zone Indus. Parce que là il manque une route, admettons. Enfin, il manque toutes ces routes là, je veux bien. Mais Ah, constructeur, c'est parce qu'on serait limité en constructeur. Parce qu'il n'y en a pas de ce côté de la berge. Ouais. Ouais, je veux bien, mais bon, il y en a quand même 4 de base, quoi. Let's go, les gars, hein. Faut construire, en fait. Vous avez des porteurs, vous avez des constructeurs, débrouillez-vous, quoi. Ah, si vous voulez, je sais quoi, je peux même magouiller... Un chemin jusqu'ici, si tu veux. Et regarde comment je te méprise le jeu. Mais t'atteins le centre-ville, là? Bah non, puisque c'est pas construit. Faites-moi ça temporairement, voilà. Et là, il n'y a plus de problème de chômage. Voilà, allez bosser, bande d'enfoirés. Ah, excusez-moi. Allez bosser, bande d'enfoirés. Voilà. Voilà. Voilà, là, il n'y a plus de problème. Là, il est fait, mon pont. Bah, parfait. Bon, bah, très bien. Maintenant, on peut refêter ça. Si. Je vais sauter ça au passage. Câble. On peut se mettre. Boum 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 boum. Le gros truc là. Voilà. Et donc, vu que ce qui nous intéresse du coup là maintenant c'est les champs. Donc là c'est bon, vous avez tous de quoi faire le tour hein, si jamais je pète ça. Parce que je vais pas me gêner pour faire. Bravo d'envergure, hein, je vous jure. Donc là, c'est pas des champs, là, c'est des arbres. On va essayer d'y mettre et de stocker stocker un peu d'eau par ici, en fait. On va essayer de descendre du lourd, un peu. Du lourd, ou dadada. Ici, on va se remettre un érable. Voilà. Un érable vénérable, comme on dit.
Toi, tu atteins la berge. Normalement, sans problème. Ah, il atteint la berge sans problème. C'est magnifique, ça, regarde. De l'herbe jusqu'au bout. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Herbe. Jusque là. On se tire de l'herbe partout. On peut se rajouter un petit chêne. Oh, on peut se rajouter un petit chêne du plaisir, là. Attends, on peut s'en rajouter même plus que un, là. Ah, on peut s'en rajouter même un petit paquet. Là, on peut se rajouter deux chaînes ici. Là, tiens. Très joli. Deux petites chaînes. Là. Du plus bel effet. Hein. Boum. De l'eau, en veux-tu, en voilà. Boum, parfait. Ah oui, on peut toujours pas se remettre à pomper, évidemment, parce que sinon ça devient un problème. Donc du coup, on va se mettre ça. C'est embêtant, ça, hein. Merci. Voilà. Tac. Voilà. Tout ça, ça dégage, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. On va carrément prendre l'outil de destruction, ça ira plus vite. Oh là, ça rame un peu. Sauf si on veut gagner de la place dans notre réservoir et qu'on se dit qu'on va dynamiter cet espace-là en plus. Voilà, parce qu'on a le pouvoir de le faire, donc on va le faire. Je crois qu'il n'y a que lui qu'on peut pas atteindre. Donc on va même se faire un escalier pour être sûr de pouvoir les tous dynamiter. Très joli. C'est de la dynamite, finalement. Ce jeu, c'est de la dynamite. C'est Warcraft 3. Voilà. Pour l'eau, je lui ai dit, hein, plante des chaînes. Alors ça y est, ça va le rendre fou. Oui, ça arrive. T'inquiète pas. Voilà. Oh, le petit banc, il est content. Le petit banc et le lampadaire qui sont plus utiles, hein, parce que de l'eau va y avoir et donc des érables on peut placer. Bon, on va les laisser là, ils sont historiques finalement. Maintenant c'est une zone protégée, hein, c'est d'ailleurs on peut se rajouter un peu de zone de coupe. Voilà, on peut même penser à l'avenir et dire vas-y, hein, coupe ici, hein, mon gars, coupe là-dedans, hein. Ça va y aller, hein. Tac, et puis ces deux là, ça sera dans la zone de coupe également. Voilà. Alors. Et bon, on va faire péter tout ça. Parfait. Récupère-moi tout ça. La sécheresse a commencé. Anna. Arrête de pomper. Arrête de pomper, pauvre fou. Ah, et un peu, je les avais mis à l'arrêt. Ah oui, à cause de le... Ouais, c'est un problème. Ouais, je vois bien l'amplitude du problème. Ouh, la sécheresse, ça va être dur là. Je vous explique, celle-là, elle va être dure. Là, on a de l'eau qui coule, ok. Sauf qu'il va falloir qu'on s'arrête. Il va falloir qu'on s'arrête, excusez-moi. Parce que malheureusement, voilà. Tout ça, ça devient un problème. On va retenir l'eau au bout. Et ouais, c'est que ça déborde ici sans pouvoir être évacué. Au bout. Pour l'instant, ça on va le fermer. Quoi qu'on voit le 100,5, en vrai c'est suffisant. Il y a assez peu de chances que je l'amène à déborder. Ça a été récupéré. On peut dynamiter ce truc vite fait. Et on va se terminer le dynamitage. Replanter la côte. Hop là. Tac, replanter la côte. Tac, tac, la côte est plantée. Il me ferait cette dynamite de bon matin, s'il vous plaît. Finalement.
finalement, je me dis que mon projet de cuve, il est pas si gros que ça. Hein. Parce que je peux pas descendre, même si elle est profonde, etc. Vu que je peux pas récupérer la profondeur de ma cuve, je peux pas récupérer le bas, hein, le bas de celle-ci. Ou alors... Ou alors j'en greffe une là sur le côté. Donc il prend tout cet espace là, blablabla, jusque là. Admettons, tiens, tout ça, ta. Et je lui fais donc une porte d'ouverture pour se couler ici. On peut se faire aussi. C'est dans le domaine du possible, quoi. Alors... Nous, dans toute cette histoire, on n'a plus besoin de ça. Vous pouvez venir tout récupérer. Voilà, bon, en vrai, je m'embête pour rien. Allez faire un par un, oui. Ah oui. Oui, parce que je crois que les arbres sont pas concernés, il y a que les bâtiments qui sont concernés en fait. Oui. Je m'embête vraiment 100% pour rien du tout. Je peux même me faire sauter tout ça. Hein. On peut repasser par un classico chemin. Oh, mais j'aurais pu tirer jusque là tout bêtement. Est-ce que je suis pas un peu un débile? Moi je pense que vous connaissez déjà la réponse. Eh oui, bien sûr qu'il faut tirer jusque là. Je suis trop con. Je suis comme le houblon. Ce castor, on en a plus besoin. Ce carré de digue, il ne sert à rien non plus. Finalement, il nous empêche de planter une massette supplémentaire. Hop, voilà, à ma belle quedouille. Si c'est pas magnifique ça. Hop. Bon alors, parlons peu mais parlons bien. Ça, ça a été posé, donc ça on peut le TNT. On arrive juste en dessous, ça nous laisse un peu plus de capacité de réservoir d'eau. Ici, c'est pour les gens. Pour les gens, on va leur mettre des douches. Voilà. Tac. On pourrait même exploser encore pour profiter d'un lit d'eau supplémentaire. Voilà, on pourrait vraiment se régaler. C'est pas de place pour stocker. Ah, ça, c'est le drame, hein, évidemment. C'est le drame de notre temps moderne. Ici, ce qu'on veut, c'est du chêne. Voilà. Quand vous aurez à l'occasion, vous me stockerez. Pour l'instant, vous n'avez pas, certes. Ah, je vais encore mettre fin à une zone indus. J'aime pas très beaucoup ça. Ce que je vais faire, c'est dynamiter cet endroit pour l'instant. En fait, la jonction là, elle est quand même relativement primordiale. Faudrait pas la sauter comme ça. Ce qui va nous intéresser, c'est tout plancher hein, à la longue. À la longue. Et je vais en profiter, je vais lancer un... Non, je vais pas lancer en même temps. Parce que justement, si je suis galère parce que j'ai pété mais Ah, je suis dubitatif. J'aime pas être dubitatif. J'ai pas réfléchi mon truc. Enfin, j'avais pas réfléchi jusque là. Ça revient à dire que j'ai pas réfléchi en fait. Très bien. Donc, on va TNT ça. Voilà. On va TNT ça, ça devrait bien se passer. Pas de raison. Ok. Bon, bon. On a de quoi alimenter cet accès. Parfait. Une fois qu'il est construit, on va dynamiter l'autre côté. Ensuite, on fera la jonction. Comme ça, on galérera pas trop longtemps. Et puis, bah, on va essayer de péter petit bout par petit bout, hein, pour pas se retrouver dans la même galère où les gars ne font pas le travail, parce que du coup, ils peuvent plus accéder à la zone. Ta. Boum, il n'y a plus wesh. Tac. Pause. Hop. Dynamitez-moi tout ça.
Enlève la pause. On va essayer de me ramasser d'abord ce qui est par terre avant de sortir des trucs d'industrie, s'il vous plaît. Alors, de faire ça, quoi, quand même. Ce serait pas mal. Pas de l'érable du chêne, s'il vous plaît. Et de l'érable ici. Voilà. On est encore sur de l'eau. Ouais, mais est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut... Non, non, attendez, 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 attendez. Ramassez-moi ça, là. Arrêtez vos conneries. Est-ce que je veux pas plutôt un bloc de terre, justement, pour me les empêcher d'aller s'écouler jusqu'au barrage? En vrai, non. Parce que déjà, l'autre sortie n'est déjà pas sous contrôle. Donc, allez. Let's go. Ok. On peut réduire vos heures. Hein. Pas déborder, il n'y a pas de souci. Tirez-vous tous d'ici. Pouf, 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 pouf. Tout le monde est parti. Mais chez vous, je vais tout faire sauter. Encore des gens qui se baladent là. Ah, ils vont se prendre des douches. Ok. Et là, c'est le drame. Allez. Là, c'est le drame. Allons-y. Une fois que cette section est faite. Là, j'aurais dû garder mon chemin en fait ici avant de tout péter. Voilà, et je l'ai pas fait. Résultat, la moitié du pays est coupée en deux. Voilà, boum boum. Hop, ah oui, j'ai aucune autre connexion nulle part. D'où le fameux chemin qu'il faut que je fasse ici, évidemment. Oui, d'ailleurs, tout ceci étant fait, ne devrais-je point, tant que j'y suis, te dynamiter toi, me dire ok, ici, je me fais un mur de terre, genre là. Encore une fois, on casse tout ici, on récupère dès que c'est possible. Voilà. Hop, on va prendre ça et on va dynamiter ici. Voilà. Et techniquement, je veux plus de ces pompes-là, de toute façon, elles sont... plus suffisante, elle ne m'intéresse pas. On peut tout virer. On va se retrouver avec des paquets de ressources monstrueux. On va être vraiment en surplus de ressources. Ce castor est de trop aussi, du coup, puisqu'il m'empêche de blinder cette côte. Je peux plomber la côte, s'il vous plaît. Voilà. Finalement, cette zone-là, je peux l'atteindre. Je peux l'atteindre. D'ailleurs, je vais l'atteindre comme ça. Je vais l'atteindre comme ça. On va l'alimenter maintenant. Tac, tac, tac. On en est où là? Ah, c'est la sécheresse la plus complète. Hein.
je suis à zéro, j'ai déjà vidé toute la cuve. L'enfer. Faudra vraiment que je dynamite ces collines pour gagner quelques litres d'eau. Hein. Il va falloir qu'on se fasse ça. Il va falloir qu'on se fasse ça. Vas-y, hop. Je vais me bombaxer tout ça là. 3 c'est peut-être beaucoup. Non, même pas spécialement. Hop là. Ah oui, non, peut-être pas. Si, on va voir. On va voir s'il y a des trucs qui peuvent pas être atteints. Trop éloigné du district. Oui, mais pour l'instant, l'escalier n'est pas construit. Construisez les escaliers, après on verra. J'ai versé mes dernières gouttes d'eau. Le problème, c'est qu'actuellement, elles sont gâchées, mes dernières gouttes d'eau. C'est ça, le problème. Toi aussi, d'ailleurs, tu peux sauter. Hein. Même s'arracher encore quelques herbes pour se faire un lit d'eau. Pas ça. On va s'arracher quelques blés ici. Ah, c'est des grandes transformations. Hein. Si ça rigole pas, quoi. Ok. Et puis, bah, tout ça, on va le dynamiter aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on le dynamiterait pas en profond, quoi, vraiment Genre on le pète pas E1, on le pète de 2, quoi. On prend de la profondeur. Voir on le pète de 3. On prend de la profondeur, quoi. Je sais pas, ils sont en train de se plaindre. Ouais, y a pas assez d'eau, y a pas assez d'eau. Bon, bah, on va faire un grand trou, il y aura assez d'eau, hein. Est-ce que ça, du coup, vous pouvez l'atteindre? Peut-être pas celui-là. Ah, celui-là que vous pouvez pas atteindre, ok. Ça marche. Il y a plus de dynamite ou bien là? 17 dynamite il reste. Bah let's go. Posez-moi des explosifs. Non. Il y a un truc que j'ai oublié. Un truc que j'ai occulté. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Oui, alors. Non. Calmez-vous. En fait, tout ça c'est prioritaire. Voilà. Voilà, ça, 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 là. Voilà, let's go. Let's go, let's go. Ah, et ils m'ont fait ça, ok. Ça, c'est trop loin de tout. Je vais supprimer. Mais ils ont vraiment décidé que c'était le projet primordial, quoi. Ah, c'est vraiment, on est tout en bas. Remettez-vous en lecture, vous. Toi, lâche le reste de ton dos. Voilà. Hop, ça va faire du bien à qui de droit. Voilà. Mets-toi en 0,5. Toi, t'es fermé, normalement, il n'y a pas de problème. Toi, t'es fermé. On est bon. On est très très bon. Ok. D'ailleurs, j'ai pas établi la nouvelle zone de coupe. Non, jusque là. Effectivement. On devrait avoir assez de chaînes à couper. On n'a pas gagné beaucoup de chaînes en plus, mais on en a gagné quelques-uns. Qui pourront faire la différence. Ok. Mmh. Donc là, petit à petit, ça, l'eau va revenir. Vous allez me faire ça, de toute façon. Yes. Let's go. Faites-moi
prends ceci. Voilà. Et pareil, on va dynamiter cet endroit là. Donc avec du 3 ici. Ce qu'on veut c'est mettre des douches, mais oui, ouais. Je peux déjà en poser une ici, donc c'est pas trop trop grave. Faites-moi un trou de 2 là, ça c'est sûr. Trop éloigné du district. Oui, vas-y, je vais faire des grands trous juste pour pouvoir. Voilà, on mettra des bouts de bois à la place. Hein, on construira sur pilotis. C'est vraiment juste pour gagner de la place quoi qu'on fait ça. Gagner de quoi stocker de l'eau. Ouais, 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 l'eau déborde. L'eau déborde parce qu'on ne peut pas passer par ici. C'est un scandale. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ça arrive. Hein. On va commencer par supprimer ça. Voilà. Tous les castors en panique. On va déplacer leur truc de district. Voilà. Et puis problème. Merci. Maintenant, si vous voulez bien me supprimer ça, faire un trou là-dedans à la dynamite. C'est la dynamite la plus importante de votre vie. Let's go. Ils m'ont fait ça d'abord quoi, ils avaient vraiment pas le temps. Bon voilà. Voilà, ça c'est un trou. Voilà. Après ça va remonter tout doucement, je suppose. Ça pompe doucement. Hein. C'est pas dingue ce que ça pompe, hein. On va remonter à 2,5. Ici on est à 2, on va remonter à 1,5. L'âge de l'eau, effectivement, on a un peu trop d'eau. Oups là. Vas-y, on voit un peu de flotte. Voilà, ça rechargera ici, c'est très bien. Ça remonte le niveau d'eau qui est ici, c'est très bien, finalement. Là, je vais me faire sauter ça. Ça veut faire peut-être un peu d'eau qui se glisse là-dedans. Ah, filin d'eau, vite fait. Ah, c'est fait. Câbles. Alors, est-ce qu'on peut faire les vraies choses? Ça ici. Ça là. Et on remettra bien sûr notre capitale de district. Après tout, on y tient. On n'aurait même plus à descendre notre maximale de ronda. Hein. Mais fâché. Hein. Ni notre maximale de planche. Il n'y a rien qui veut descendre. Ok. C'est construit. Au secours! Au secours! Tac. Le centre de district. Voilà. Il s'est jamais rien passé, les gars. Tranquille. Arrêtez de crier au secours, ça s'est très bien passé. On va attendre de tous les matériaux, ok. Bon, ça a repris l'industrie là-bas à fond. Ah, l'isolation, ça a bien marché. Ok. Ah, il pose d'abord les gros pains de TNT. Du coup, on pourrait trouver du 2, hein, comme un gros sac. Hein. Moi, je m'en fiche, ça me fait gagner quelques litres d'eau, mais pas grand-chose, mais ça me fait gagner quand même. Hein. Oh, on est en souffrance ici, faut que ça tourne là un peu. Les flammes de l'industrie, tout ça, non, ça vous parle pas. Peut-être un peu, non. Ceci étant dit, ce qu'on est là, on accepte notre galère, mais en fait, on n'est peut-être pas obligé de l'accepter comme ça, non. On n'est pas des rats, hein, on est des castors. Qu'on se le dise. Il y en a qui pensent qu'on est des rats.
En fait, on est des castors. Qu'est-ce que tu vas faire? Tac, admettons une. Non, bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais t'as compris l'idée. Hop là, de là, ok, impeccable. Ah oui, mais là ça embête. Alors, attendez, on va se la faire autrement. On va se la faire hop, comme ça. Voilà. Flamme de doom, tout ça. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va y arriver. Je suis en train de donner, on va y arriver. Tac. Into. Ouais, admettons. Ouais, non, c'était très bon en plus. C'était impeccable. Ouais. Ouais, on va se le faire comme ça. Voilà. Pour l'instant, on va construire ça. Ça leur permettra de passer quelques rondins. Ça, c'est le plus important, évidemment. Sinon, ce sera bloqué, vous ne pourrez plus le faire. Ce sera des blaireaux, bien sûr. Et non plus des castors. Ok. Ah. Eh oui, il n'y a plus d'eau. Ah, c'est con, hein. Bah ouais. Il y a un type, il a tout fait péter. Voilà. Et le type en question, il va faire donc deux choses qui vont claquer des ressources, c'est formidable. Tu construis juste pour claquer des ressources, c'est que c'est quand même incroyable. Voilà. Donc ça, c'est du génie. Hop. On va se faire la petite rambarde jusque là. Et il nous faudrait un lido par là. Le lido. Ouais. Ah, j'ai pété un peu trop de... Ah non, oui, c'est qu'il faut juste que je remette des... Oui, voilà, le gars avait pensé à tout. Un peu trop, d'ailleurs. T'as un peu pensé à tout que... Il a pensé large. Il a tout pété. Bon, voilà. Ah, impeccable. Parfait, incroyable. Donne-moi une douche. Allez. Enlève-moi ton chemin. Et mets-moi une douche. Voilà. Voilà, voilà. On a mis quand même de quoi stocker de l'eau. Hein. On n'a pas rigolé. Hein. On a fait les choses sérieusement. On fait un petit réservoir en loose. Même si on voulait bien faire les choses, il faudrait que je démolisse tout et que je creuse tout à la même profondeur. Ce qui est très tentant. Ce qui est très... Hein ? Tentant. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Hop. Voilà. Et donc là, je vais avoir besoin de creuser de deux, hein, mes petits amis. Hein. Je pourrais même me faire sauter la côte. Hein. Bam! Ça fera vraiment un très grand réservoir. Oh, c'est pas déconnant. Les liquides, je vais pas les faire sauter parce que c'est vraiment trop chiant à gérer. Après. Mais alors, vous, je suis d'accord. Je suis d'accord pour vous faire sauter. Je suis très d'accord. Boum boum. Faites-moi ça. Puis pareil, un rebelote ici, tu vas me remettre une douche. Douche. Voilà. Oh, je vais même aller trop loin avec ça. Putain, j'économise un peu de ressources. C'est pas tant les ressources que j'ai besoin d'économiser que la main d'œuvre, mais bon. Hop. Et tout ça, tu me le sautes. Je veux plus le voir. Let's go. Ça saute. Et tout ça aussi. Hein. Voilà. Faites-moi des trous partout. Dynamitez tout. Voilà. Et après, on sera obligé de se calmer parce qu'on a éclaté toute notre dynamite.
En sachant que j'ai quand même mon chemin valide jusqu'ici. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que je peux faire couler de l'eau. Et pour faire couler de l'eau, bah faut qu'on pompe. Faut pomper. Et qu'on va en abuser pour continuer à creuser comme des débiles. Hein. Voilà. On va continuer à creuser. Sans pitié. Ça pompe un peu. Ça a l'air buté. Hein. Ah, faut dire qu'on a toujours un moignon qui tombe dans le vide. Allez pas plus loin, allez pas plus loin. Faites-moi le... la jonction ici. Là. Parce qu'en fait, on a besoin d'eau avant tout. Hein. Voilà. Le reste, j'ai envie de dire, on s'en fout. Voilà, basiquement, on a envie de dire le reste, on s'en fout. Hop, ça c'est bon, ça peut sauter. On va faire sauter toute la route. Toute la route qui va bien. On s'en fout, on a de la ressource, donc on peut s'amuser à faire des trucs un peu rigolos. Enfin, un peu le futur, quoi. Un peu sci-fi. Mieux. Genre, je vais faire ça, quoi. Je vais faire ça, comme ça. Et finalement, bonjour le futur, quoi. Les mecs sont en train de faire tout le tour pour faire la construction. Je peux pousser ma science de la réalité beaucoup plus loin, encore. Donc évidemment pas me gêner et aller encore plus loin dans ma science de la réalité. Voilà. On a le budget. On a le budget pour le faire, y a pas de problème. Pas de place dans le stockage, mais les gars, quand est-ce que vous avez de la place dans un stockage, quoi? Vraiment, vous allez me rendre fou. Vous avez déjà tout posé? Non, vous avez pas tout posé. Voilà. Ça pompe un peu votre histoire là ou pas là? Oh. En fait, on a combien là? 70% de notre capacité. On va se mettre une petite coulée hein, quand même. Hein. Voilà, on se la remonte. Mais à un moment donné, mes orbes ils vont pas vivre éternellement. Ils sont déjà tous en train de subir des gros chocs. Pourquoi là, ici c'est tout secos? Ça devrait pas être tout sec. Pourquoi c'est tout sec? Qu'est-ce que dans mon pins j'ai zappé? Quelle connerie est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce qui me paraissait être du génie c'est de la merde? Cool. Cool, ça arrive, ok. Je le remonte, ok. Ah oui, parce que ça, du coup, ça c'est... Ok, c'est devenu plus profond, donc ça n'a... C'est... L'eau n'est plus assez haute. Ok. Mais techniquement, là, l'eau, elle devrait s'écouler là-dedans. Ah, mais non, j'ai toujours pas pété cette route-là. Bah, eh oui. Et le gars, il se demande aussi, mais... Il se demande, mais il se demande pas pourquoi il est con. C'est ça aussi que le gars il se demande pas. Supportable. Un lido c'est du 4 de... C'est du... Pas du 4. Si c'est du 4, c'est du 4 de large. Okay. Je vais m'en remettre un lido. Je vais m'en remettre les lidos face-face. Bien sûr. Ça fera comme une grande piscine. Let's go. Le lido.
l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ah, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Ils peuvent me récupérer cette ressource. Et ici... Hein ? Ah oui, non, mais il faut me poser la dynamite qui va avec. Hein. Pas de... Normalement, c'est bon, vous pouvez dégager les ressources, les gars. Faut retraiter. Faut arrêter de me dire qu'il n'y a pas de place. Vous produisez pas plus vite que je... qu'il y a à construire. Ramassez ce qu'il y a par terre, c'est tout. Voilà. Merci. Le rondin qui est par terre, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas la place de le ramasser. Merci. Je vois un peu de la tête du monde, hein, gentiment. Et donc ici une douche. Ok. Ah, on attend les explosifs, c'est ça le problème. Ok, bon. Si on attend les explos... Enfin, l'explosif, puisqu'on en attend qu'un. Voilà. Et donc là, c'est la panne sèche, parce que... Ah, ça y est, ça va commencer à arriver. On va arriver au bord... Au moment où ça va déborder dans 0,8, 0,7. Ah! Ah non, ça déborde à 0,40? 0,4, 0,5. Ouais. Ah non, c'est parce que peut-être il y a des gens qui tirent un peu d'eau, de l'évaporation, je ne sais pas. 0,5, ça y est, normalement, là, ça va commencer à couler. Normalement, c'est fini, ça monte plus, là. Ah si, ça monte. Bah, alors... Et ça ne coule pas, ça ne s'écoule pas. Ah si, ça s'écoule là. Ok. Ça s'écoule ou je suis miro? Je sais pas, j'ai un doute, hein. Si, si, ça s'écoule, ok, c'est ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça coule. Attendez, je remplis plus que je ne vide. Non, attends, c'est une blague ça. C'est-à-dire là, je suis ouvert. Mais les deux pompes arrivent à remplir plus vite que ça ne s'écoule? Ok, non, ça va commencer à s'ajuster, parce qu'à chaque fois qu'ils vont pomper trop, ça va dégorger plus. Ok, bon, c'est bon. Ça marche. Ça marche. Ça marche, voilà. Ça y est, on a de l'eau, ça revient. Cool. Ça a coulé par là. Impeccable. Si c'est ouvert en 1.5, c'est ouvert un peu. Je pourrais même fermer, mais j'aurais peur que ça déborde ici, donc je vais laisser, je pense que je vais laisser ouvert là, je verrai si ça coule ou pas. Et ben, voilà, le niveau de l'eau, il remonte partout. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est irrigué partout. Et on a mis du temps pour arriver là. Il s'en est passé des choses pour arriver à ce stade. En sachant que j'ai toujours pas pété la route qui va réellement créer le raccordement. Parce qu'en fait, j'étais en train de dire, ouais, je vais peut-être fermer le barrage, mais je peux pas fermer le barrage. Sinon, ça va déborder ici. Parce que je n'ai toujours pas créé le racco. Voilà. Parce que pour le créer le racco, il faut absolument que j'ai de la dynamite en réserve. Pour tout faire sauter. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pourquoi ça ne coule plus? Pourquoi ça ne s'écoule plus, s'il vous plaît? Ok. Faut dire, j'ai l'impression qu'on vit avec un filin d'eau pour toutes les... Bon, après, voilà, les réserves sont pas montées. Voilà. Ça va se faire, tout doucement, mais sûrement. Et puis, il va falloir commencer à songer à un autre réservoir.
Un réservoir pour alimenter la machinerie. Ah putain. Je suis quand même en train de me dire, potentiellement le réservoir il doit faire un truc genre c'est une énorme cuve qui est en hauteur, puis après elle descend, elle descend, elle descend en cascade. En cascade pour vraiment pouvoir stocker des quantités d'eau démesurées, hein, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Juste folle et démesurée. 2,65. On est stable, on est stable. On est stable. Est-ce qu'on tourne à des puissances chevaux-vapeur convenables? Ah oui, oui, oui. Là, ça pépon. Hein. Ça pépon, hein, ça y va. Hein. Parce que là, tu vas dire, ah, j'ai une petite roue, je tournerai jamais vite parce que je suis dans un coin. Rien à f... Il y en a qui tournent à fond. Il y en a qui tournent à fond, elles s'en foutent. Elles s'en foutent de ce que tu leur dis. Elles tournent, c'est tout. Parfait. Ça aussi, idéalement, ça serait bien qu'on aille visiter ce côté-là. Pour dynamiter, afin de dégager cette roue et qu'elle ait vraiment du courant pour elle. Parce que le courant, il se rabat vraiment vers ce coin-là. Pouvoir éventuellement rajouter une roue supplémentaire. Et de manière générale, bah, agrandir le bassin. Parce que là, pour le coup, en l'élargissant... On peut se permettre de stocker plus d'eau durant les sécheresses, quoi. Voilà. Non, c'est bien, on s'en est bien tiré, on s'en est bien tiré. C'était pas le plus évident. On a plus un il y a un explosif qui se balade. Quelqu'un a un explosif. Vite, dites-moi où est-ce qu'il est. Dites-moi où est-ce qu'il arrive. Ah, j'avais pas mis la priorité là-dessus, donc ils vont là-dedans, les explosifs, c'est ça? Évidemment qu'ils vont là. Boum, 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 boum. Voilà. Oh. C'est de la dynamite ce qu'on a fait. Vous voulez que je vous dise? C'est juste de la dynamite ce qu'on a fait. C'est incroyable. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je suis ému. Hein. Et ça coule toujours pas ici. Hein. Si ça veut pas couler, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez d'eau. Je sais pas ce que je fous de l'eau, mais il n'y en a pas assez. Parce qu'il n'y en a pas là non plus. Je sais pas où est-ce que... Je ne sais pas ce que je fous de mon eau. Je... Ah si, ça il se remet à couler. Ah oui, mais c'est parce que forcément, vu qu'on a dynamité, ça devait plus couler. Que ça va se remettre à couler à nouveau. Quand je vois que j'ai un petit flux ici. Ça coule par là. Ça ne coule pas ici. J'ai même envie de te dire ici, tu sais quoi, verrouille. Wow, j'aurais pas dû verrouiller? T'es sérieux? Le verrouillage m'a tué? Le verrouillage m'a tué? Pourquoi? C'est parce que l'eau, elle a un avis politique sur la question? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que c'est? Ça coule par là? C'est quoi, je vais fermer ici? Je fermais les deux. Ah ouais, ici ça veut pas. Hein. Est-ce que du coup tout tombe? Vu que j'ai rien pour retenir l'eau ici. Ah merde. Enfin flûte, vous voyez ce que je veux dire quoi. Vous voyez la problématique à laquelle je me confronte. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'eau se déversera toujours à l'étage inférieur. Oui, non, mais excuse-moi, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Ah oui, j'ai rien pour me maintenir 0,5 de pression. Et ben, si j'ai, il faut juste que je l'assume et que je le fasse. Ici. Ici, en fait, ce qu'il nous faut... Récupère ça, mec. Ce qu'il nous faut ici, c'est pas une petite passerelle à la con, c'est... une écluse... pas une écluse. Ce qu'il nous faut, c'est un barrage, merci. Voilà. Voilà juste ce qu'il me faut, en fait, c'est un barrage, mec. Ok, pas de place pour stocker de la planche. Voilà. Et là, ça va faire la différence. Parce qu'on va, on sera obligé de conserver un niveau d'eau. Avant que ça déborde plus bas. Mais j'ai l'impression surtout qu'on a plus assez de pompes pour la quantité d'eau qu'on absorbe. La terre boit trop de flotte. Si ça monte, ça a l'air, ça a l'air. Ça a l'air de se faire.
On va fermer même, tout court. Et normalement, tout l'excédent devrait perler vers le bas. Ça devrait cesser de monter. Ça a l'air de se maintenir. Ça a l'air de parfaitement bien se maintenir. Et donc ça se déverse ici, tranquillement. Bon, c'est pas très esthétique la façon dont ça se déverse, mais ça se déverse. C'est tout ce qui compte. Voilà. Parfait. Le niveau d'eau ici, d'eau resta. Ah non, 2,90, hein, ça monte. Hein. Oh, on a fait augmenter, on a augmenté notre nombre de chevaux vapeur. Ça se déverse. Hein. Ça se déverse, ça se déverse. Bâtiment non relié, ici. Ah oui, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, vous pouvez récupérer la gore, bien sûr. Un peu triste ce qui nous arrivait, pour si peu. Boum. Et boum. Et boum boum. Parfait. Donc, allons-y. On se remet ça. Du coup, pareil, il faut se remettre ça ici aussi. Et let's go, se mettre une douche, donc on disait, c'est par là je crois les douches, ouais c'est ça. Et le Lidal. Voilà. Et ben c'est pas mal, je pense que c'est quand même plutôt cool pour faire une conclusion, non? Ça me paraît conséquemment intéressant. Boum. Voilà. On augmente nos litrons d'eau. Pas mal, pas mal. Et ben tout est fait. Tout est fait, tout est beau. C'est incroyable. Ben, c'est une bonne façon de terminer. Hein. Oh pétard, on aura bien bossé. Et donc la prochaine fois, on pourra tester, parce que ça va déborder, avec les eaux contaminées, voir ce que ça donnera. Sur ce, je vous remercie, c'était Knarfunk sur Comme d'habitude Gaming pour Timberborn et je vous dis à la prochaine. Ciao.